Bonjour tout le monde, Christophe de chez Mathias Sport. Aujourd'hui, on va vous parler du nouveau 350 XCF 2019 de KTM. Donc cette année, KTM a fait plusieurs changements au niveau de leur motocross. Donc le 350 particulièrement, lui, va avoir une nouvelle tête de moteur. Donc cette tête-là a été réduite à 200 grammes plus légère que l'ancienne. On a aussi plusieurs changements au niveau du frame. Donc le frame maintenant est beaucoup plus stiff, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir une meilleure précision puis un meilleur contrôle de la machine. En lien avec ça, on a baissé les radiateurs de la moto, donc vraiment le centre de gravité qui va être baissé, qui va être vraiment plus facile pour la manier. Donc aussi, on a des nouveaux triple clamps. Les nouveaux triple clamps vont être plus rigides en lien avec justement le nouveau frame. Le frame qui a été aussi allongé quelque peu, puis nous permet de, le swing arm va nous permettre d'avoir un ajustement de 5 mm vers l'arrière avec la roue pour vraiment jouer selon les conditions qu'on va aller si on veut avoir une meilleure adhérence selon le terrain, le sable ou la terre. Donc aussi, cette année, un nouveau banc, donc un banc qui est vraiment avec une meilleure ergonomie. On a aussi des grips, des petites lignes qui vont nous donner de la grip. Donc c'est vraiment plus facile de bouger sur la moto puis de rester à notre position. On a aussi changé l'aérodynamisme de la tank et puis des nouveaux plastiques. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre d'avoir vraiment le contrôle un peu plus sur la moto en étant plus proche du centre de la moto. Donc vraiment, on se sent vraiment qu'un avec la moto en fait. Donc aussi, est-ce que nouveau sur les modèles, on a des nouveaux, un nouveau exhaust, donc le nouveau header qui donne vraiment là, une meilleure distribution de la performance avec aussi la possibilité d'aller chercher un petit peu plus de performance sur la révolution du moteur. Donc cette machine-là, le 350, c'est vraiment l'entre-deux parfait, l'entre-le 250 puis le 450. Donc pour quelqu'un qui veut avoir de la performance et de la légèreté, c'est la machine qu'il vous faut.